Comment dealer avec les divertissements? C'est surtout et avant tout la question du temps. Plus on donne de temps au divertissement, et moins on a de temps pour faire autre chose. Un être humain devrait avoir une vision, qu'il devrait essayer de monter, élaborer un plan, tenter d'accomplir cette vision. Il devrait voir, vérifier s'il est en mesure de le faire, et ou s'il lui manque quelque chose, qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour pouvoir compléter. Et enfin, être sûr qu'il va aller jusqu'au bout. Ça ne te fait pas tilt, toi, l'idée de vivre ta vie en comprenant que tu pourrais non pas la vivre en te laissant dériver, déconcentrer, mais de vivre une vie qui aurait une direction, un sens ou un but. C'est ce que tu auras dans le cœur que tu vas apporter à ceux qui sont autour de toi, que tu vas apporter au monde qui est ouvert devant nous. Maintenant, j'ai envie de te demander, quel est ce trésor que tu te seras constitué dans le cœur? Aujourd'hui, je te propose une nouvelle question. La question du jour est, peut-on travailler le sabbat? Dans les 10 commandements, le 4e article concerne un jour particulier mis à part par Dieu. Il s'appelle le sabbat. Il apparaît depuis l'origine du monde, dans la Genèse, et est un signe de tous ceux qui s'attachent à respecter les commandements de Dieu. Et donc ce commandement qui est de se souvenir que Dieu a mis un jour à part, le sabbat, du vendredi soir au samedi soir. L'Éternel va dire, tu ne feras aucun ouvrage. Et la Bible est claire, aucun ouvrage. On pourrait s'arrêter là. Toutefois, si on poursuit notre lecture de la Bible, on va comprendre que le sabbat n'a pas été créé comme une règle qui vise à contraindre l'être humain. Au contraire, le sabbat a été créé pour l'homme. Si tu vas rejoindre Jésus dans Matthieu 12, tu verras que Jésus va être très clair. Pour lui, il est une évidence, c'est que le jour du sabbat n'empêche en aucune façon les œuvres de compassion. Un chrétien qui ne mange pas de porc, tout est une question de trajectoire. Si on regarde dans la Bible, dans le livre de Jean, chapitre 14, Christ nous fait une révélation extraordinaire, fondatrice. Il est le chemin, la vérité et la vie. Pour tous ceux qui souhaitent accéder au Père, Christ fait une seule invitation, le suivre lui. Tu vas me dire maintenant, mais quel rapport avec la viande de porc? Moi, je te répondrai, comment Christ a-t-il vécu sa vie? Christ disait que sa nourriture, c'est de faire la volonté de son Père. Et ce que Dieu attend de nous sur la nourriture, on peut le retrouver dans Lévitique chapitre 11. Facile. Tu découvriras tout un tas de choses dans ce chapitre-là. Maintenant, quel est l'objectif de Dieu lorsqu'il nous donne toutes ces consignes, ces règles, ces recommandations? Dieu désire que nous vivions et que nous vivions pleinement. Mais comment profiter de la vie lorsque l'on est en mauvaise santé? Le chemin que Christ nous propose est un chemin de vie, est un chemin d'épanouissement. Et regardez ce qu'on met dans son assiette pour vivre une vie épanouie, ça compte. Si toutefois tu as apprécié cette vidéo, si tu penses qu'elle t'a apporté un plus, n'hésite pas à la partager. Elle pourra sans doute apporter un plus dans la vie de quelqu'un d'autre.